L'île des oiseaux, qui est une garderie prématernelle et maternelle, a ouvert ses portes en septembre 2007. Elle garde les enfants de différentes nationalités, telles que les francophones, les arabes et les anglophones. Feyza, monitrice qui travaille là, dit « Un programme Montessori est donné dans plusieurs langues, comme le taïwanais, le mandarin, l'anglais et l'arabe, mais la base est le français. » Elle ajoute « L'île des oiseaux a quelque chose de particulier, c'est de faire apprendre les enfants plusieurs matières, telles que les maths et la géographie. » Cette diversité de programmes a engendré une nette augmentation d'inscriptions par rapport à l'année dernière. Mais la monitrice nous informe que la garderie est confrontée à un problème d'image parce qu'elle se situe dans une mosquée. Autrement dit, les parents sont très intéressés et contents du programme, mais dès qu'ils aperçoivent que c'est une mosquée, ils refusent d'inscrire leur enfant, pensant que des cours religieux sont donnés dans le programme. Feyza dit qu'elle ne cesse d'expliquer aux parents que le but de la garderie est de donner une bonne qualité d'éducation sans plus.